Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à cette rencontre débat de la PSE. Alors, petite précision, vous n'avez pas un effet d'optique, je parle bien dans un micro et vous n'entendez pas ma voix dans un micro, tout simplement parce qu'il y a également une visio qui sera enregistrée d'ailleurs, qui est en parallèle, et c'est pour ça que nous allons échanger et parler dans ce micro. Voilà, donc on va essayer de parler bien fort pour que tout le monde puisse nous entendre. Alors, je me présente, je m'appelle Luc Badier, je suis consultant sociologue et je suis membre du conseil d'administration de la PSE. Donc, juste avant de présenter François et Jacques qui sont à mes côtés, je vais vous dire deux mots de la PSE pour ceux qui ne... et celles qui ne connaîtraient pas notre association. Donc l'Association pour la sociologie de l'entreprise est une association d'intérêt général qui réunit des sociologues, praticiens, mais aussi des chercheurs, des enseignants, des étudiants, des professionnels et d'une façon plus générale, tous ceux qui s'intéressent à la sociologie dite de l'entreprise. Donc qui partagent ensemble une même conviction, c'est que nous pouvons mieux comprendre les situations de travail et les entreprises permettent de transformer le travail et la sociologie peut faire également ou permettre de regarder différemment les entreprises et ainsi contribuer à agir dans la société. Alors depuis maintenant une vingtaine d'années, la PSE propose des espaces divers et singuliers, notamment des rencontres débats comme ce soir, propose également des méthodes de la sociologie pour décrypter le fonctionnement des entreprises, les univers de travail et leurs impacts dans la société, mais facilite également l'animation d'un réseau de professionnels auquel vous pouvez adhérer et vous pouvez nous rejoindre avec des sociologues ou non, qui en tout cas mobilise la sociologie et la sociologie de l'entreprise de manière générale, les sciences sociales, pour agir sur l'entreprise. Voilà. Et puis c'est également un centre de ressources autour de la sociologie appliquée en entreprise, accessible au grand public. Vous pouvez retrouver beaucoup de ces éléments sur notre site internet, j'y reviendrai sur notre page LinkedIn, mais également dans les différentes productions de recherche et notamment tout le travail que la PSE fait avec sociologie pratique. Alors, pour ce soir, cette rencontre débat, puisqu'il va y avoir débat, suppose quelques règles de fonctionnement. Vous voyez, c'est un endroit convivial, nous y sommes bien dans les rencontres débats de la PSE. Donc, je compte sur vous pour, en tout cas dans la première partie de cette soirée, qui va être plutôt un exposé de l'ouvrage que François Granier va nous présenter, d'être à l'écoute de ce qui va être dit. Il n'y aura pas d'interruption et de questions immédiates. Puis, dans un second temps, une fois que l'exposé, en tout cas les questions et les réponses que moi, j'aurais pu échanger avec François et Jacques également, que je vais présenter dans un instant, sera terminé, alors vous aurez la possibilité, ici et en ligne, de faire part de ce que vous avez, compris de l'ouvrage, des travaux, et échanger avec l'auteur ici présent. Voilà. Donc le thème du jour, c'est le travail à l'épreuve de la pandémie et notamment quel scénario pour demain. Alors, la PSE a déjà depuis quelques mois et voire même depuis la fin de la pandémie déjà travaillé beaucoup, notamment sur le travail à distance. Hein. Il y a eu des rencontres débats déjà sur le thème du numérique, du travail et du numérique. Je pense notamment à l'intervention de Anka Bobok et de Marie-Benedetto Meyer sur quelle sociologie du numérique au travail. Il y a eu également une sociologie pratique dédiée au sujet, hein, les organisations à l'épreuve du télétravail de 2021, le numéro 43, je vous invite à aller le consulter si ça n'a pas été fait. Nous avons également, lors de notre université de la PSE, eu un atelier dédié à ce sujet avec plus d'une vingtaine de participants. Et j'ai, pour ma part, et c'est pour ça que je suis votre hôte
votre hôte principal ce soir, en tant que consultant sociologue, eu un certain nombre de diagnostics dans des entreprises autour du travail à distance, du travail dit hybride et des répercussions sur le travail. Alors, juste avant de présenter François, il y a une petite histoire, visiblement, entre la production de cet ouvrage et une certaine compagnie. Et j'invite Jacques Vierre à présenter la compagnie qui a suscité, ou en tout cas permis, l'élaboration des travaux et de l'ouvrage. Ça rapproche. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jacques Vierre, je suis membre du conseil d'administration de la PSE et membre de la PSE depuis sa création quasiment. Et je suis aussi l'un des fondateurs de la compagnie Pourquoi se lever le matin ? Alors qu'un titre un peu bizarre qui intrigue. Bon, voilà. La compagnie Pourquoi se lever le matin, c'est une bande de personnes qui sont un peu passionnées par le travail. Voilà. Donc, on se passionne comme on peut, comme dirait l'autre. Voilà. Il y a un certain nombre de retraités chez nous. Voilà. Moi, je suis un ancien j'étais dans l'industrie. Voilà. J'ai suivi la formation de Renaud Saint-Saulieu, notamment. J'ai continué à fréquenter la PSE depuis ma mise en retraite. Voilà. Donc, j'ai des engagements associatifs divers et variés. Et donc, nous avons fondé la compagnie Pourquoi se lever le matin. Alors, il se trouve que ça s'est fait juste au moment de la pandémie. Alors, ça, c'est le coup du hasard, mais voilà. Notre but, c'est de faire du travail un objet de débat social. Le travail, vous savez qu'il est devenu invisible, comme disent certains, qu'il a été rendu invisible par la financiarisation de la société notamment. Le travail comme activité, le travail comme une façon de s'exprimer, une façon de se valoriser soi-même et aussi de transformer le monde et de travailler sur le réel qui résiste, comme dit François Hubeau. Voilà. Donc, nous voulons vraiment faire parler le travail. Alors, c'est complètement ambitieux. Comment procédons-nous ? Eh bien, nous faisons des entretiens avec des gens qui travaillent et on essaie de faire en sorte qu'ils parlent à la première personne du singulier pour avoir leur subjectivité dans le travail. Voilà. Et essayer qu'ils nous racontent leur travail réel. Alors, on sait que c'est impossible. Les ergonomes disent que c'est pas possible de dire ce qu'on fait. On peut parler des aléas du travail, mais de dire ce qu'on fait réellement, c'est très, très compliqué. Et nous, c'est pourtant ça qu'on veut faire. Y compris, on voudrait que quand on nous lit, on sente l'odeur de l'atelier, qu'on respire, c'est ça, et que les cinq sens soient mobilisés. Mais c'est une utopie totale, bien entendu. Mais on essaie de parvenir à ça. Voilà. Premièrement, pour que celui qui nous parle sorte grandi de cet entretien et que sa dignité en soit améliorée. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Et deuxièmement, ce qu'on souhaite, c'est que c'est les textes que nous rédigeons, qui sont ce que nous appelons nous des récits, parlent à celui qui lit et que ce soit lisible. Alors, bien entendu, on ne va pas transcrire, retranscrire l'entretien tel qu'il nous arrive. Nous faisons une mise en récit, mais qui doit être validée par la personne et qui considère comme si c'était elle qui avait parlé. Voilà. Ça aboutit à des textes. Des récits que nous publions sur notre site. Vous allez aller sur notre site. Pourquoi se lever le matin, vous allez tomber sur nous. On fait donc de la mise en récit et nous publions des ouvrages. Alors il se trouve que comme on a démarré sur la pandémie, on a fait beaucoup de récits de travailleurs en télétravail, par exemple. Et puis l'un des fondateurs, Pierre Madiot, avait un projet personnel sur un service d'oncologie. Donc on a fait parler tous les soignants du service d'oncologie. On a sorti un bouquin qui s'appelle L'urgence, c'est de vivre, qu'on vous présentera. Et puis nous avons aussi beaucoup travaillé sur les soignants,
parce qu'on a, on a contribué aux ateliers pour la refondation du service public hospitalier, qui avait besoin de mettre en d'avoir des mises en récit pour pouvoir alimenter leur lutte pour l'amélioration de l'hôpital. Et nous les avons même aidés à faire un glossaire, puisque les soignants s'étaient fait shipper leur vocabulaire par les têtes d'œufs du New Public Management. Et le vocabulaire des consultants avait un peu... dans l'hôpital était devenu tellement abscon pour eux qu'ils n'avaient plus leurs mots. Alors on les a aidés à retrouver leurs mots. Voilà. Bon, enfin, voilà des choses qu'on fait. Je vais passer la parole. Je vais redonner la parole à Luc et François va vous en dire plus sur nos méthodes, sur comment s'y prendre. Merci Jacques pour cette présentation. Donc François Granier, je vais te présenter en quelques secondes, quelques minutes. Donc tu as travaillé au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pendant 39 ans, dont 10 ans en qualité de responsable des études de l'Observatoire des missions et des métiers, qui était une instance en charge d'identifier les missions prioritaires et les savoirs et savoir-faire des personnels du ministère à un horizon de quelques années. Tu as également été chargé d'enseignement de 1997 à 2017 en sociologie du travail et des institutions auprès des universités de Paris Nord, donc Paris 13, et Paris Sorbonne, donc Paris 1. Tu as rejoint en 1996 en qualité de chercheur associé l'équipe Recherche et Intervention Transformation des entreprises au sein du laboratoire de sociologie du changement des institutions dirigé par Renaud Saint-Seulieu, d'où le lien avec la PSE. Tu participes à la rédaction de l'intervention sociologique en entreprise, coordonnée par Marc Huald, aux côtés de Florence Osti, Cécile Guillaume, Olivia Folli, Anne Claudineau et Geneviève Daan-Selzer. Et en 2004, tu intègres le LIS, donc CNRS-CNAM, à l'occasion de la fusion LSCI et GRIOT, GRIOT, groupe de recherche interdisciplinaire sur l'organisation du travail, fondé par Michel Lallemand. Tu es membre du comité de rédaction de la revue Sociologie Pratique de 2001 à 2020 et tu as rejoint en février 2020 la compagnie Pourquoi se lever le matin, dont on vient de découvrir la vocation. Alors, ce soir, c'est l'occasion de découvrir le travail qui a été réalisé autour de l'ouvrage Le travail à l'épreuve de la pandémie, dont quelques exemplaires sont à l'entrée. Mais avant d'aller le découvrir, pour ceux qui ne l'auraient pas encore ouvert, je vais te poser quelques questions. Et la première, c'est pourquoi ce travail autour des nouvelles technologies et de la pandémie et du travail à distance, enfin surtout d'ailleurs du travail à distance et de l'éprouver des différents travailleurs, et surtout nous en dire peut-être aussi quelques mots de cette notion de récit que Jacques a évoqué. Qu'est-ce que le récit ? Qu'est-ce que déontologiquement et méthodologiquement, pour ceux qui ont pratiqué un petit peu l'enquête sociologique, cela veut dire et qu'est-ce que l'on peut en faire ? Merci Luc, bonsoir à toutes et à toutes, bonsoir surtout à l'équipe qui organise cette rencontre. J'y suis particulièrement sensible, que ce soit Greg, Daniel Serlan qui est là-bas, Jacques qui est mon parrain, et puis bien sûr toi Luc, voilà. Donc effectivement, il s'est trouvé que un certain jour, dans une réunion de ce type-là, autour d'un numéro de la revue Sociologie Pratique qui était consacré à la religion en entreprise, le sieur Viers m'a accosté, m'a dit « Nous sommes en train de créer une petite association. » De quoi vous allez vous parler ? Du travail. Voilà. Donc, j'ai immédiatement sauté sur l'occasion et quelques jours après, j'étais avec mon épouse dans le sud de la France. Nous avions profité de quelques libéralités des pouvoirs publics pour nous échapper de Paris en visioconférence. On m'a présenté effectivement les membres fondateurs. Voilà, et donc vous voyez, comme l'a dit Jacques, il y a eu effectivement un concours de circonstances assez exceptionnel, un alignement de planètes qui a fait qu'effectivement j'ai eu cette grande opportunité de rencontrer des collègues, des amis, des compagnons au sens fort du terme, passionnés par la question du travail réel, et pas simplement la question de l'emploi. Et donc nous avons eu cette opportunité. Alors,
Moi, ce qui m'a séduit quand j'ai lu les statuts de la compagnie Pourquoi se lever le matin, c'est d'abord que le travail est intégré dans toutes ses formes, pas simplement le salariat, même si c'est effectivement une forme dominante. À la différence, et je parle en toute liberté, à la différence de certains sociologues, c'est pour ça que moi j'étais très attaché à la revue Sociologie pratique, et comme le disait Durkheim, il n'y a de sociologie utile que si elle rend service effectivement à ceux qui se l'approprient. Voilà. Et donc moi tout de suite, j'ai vu en lisant l'article 2, et vous l'avez dans le document, j'ai senti qu'effectivement, là, il y avait effectivement là une finalité qui correspondait effectivement à des convictions très profondes. Provoquer du débat, recueillir des récits et provoquer des débats, je crois qu'effectivement, c'est une mission que la sociologie s'est donnée, et avec le recul qui est le mien, je pense que de temps en temps, elle s'égare, elle reste dans sa, je dirais, dans son donjon, et du coup, elle devient cible de quelques critiques, je pense à, vous voyez, de qui je veux parler. Donc, cette opération de recueil de récits, nous avons eu effectivement l'opportunité de la déclencher pratiquement quelques semaines après la création de l'association. Et donc, pourquoi nous avons eu le projet de rassembler ces récits ? Bien, il faut d'abord que je vous dise, et Jacques m'a tendu la perche, et Luc aussi, il faut que je vous explique un tout petit peu en détail comment nous procédons, parce que méthodologiquement, c'est extrêmement important. Parce que ce dont je vais vous parler ce soir, je ne vais pas vous donner mon opinion sur le travail pendant la période de pandémie. Ce dont je vais essayer de rendre compte, ce n'est pas de mon opinion, ce n'est pas de l'opinion de notre collectif, même si nous en avons une, c'est je vais essayer d'être le plus fidèle possible, de vous rendre compte de ce qui nous a été dit pendant grosso modo un an et demi, entre grosso modo mars 2020 et juin 2022. Voilà, donc je vais essayer, dans les 45 minutes qui m'ont été données, de rendre compte de ce que nous avons pu entendre et écrire. Alors, les entretiens ont été faits avec des volontaires, durée entre 45 et 75 minutes, essentiellement en visio, à la fois pour des raisons, je dirais, de politique publique, mais aussi pour avoir la possibilité de rencontrer des personnes, pas simplement en Île-de-France ou auprès des lieux de résidence des membres de la compagnie. Une fois que l'enregistrement est fait, on est bien sûr annoncé à la personne, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon la mise à plat, c'est-à-dire une transcription intégrale de l'entretien, avec toutes les scories que ça peut comporter. Et bien sûr, c'est pas, comme l'a dit Jacques à l'instant, le récit, c'est pas le lissage, c'est pas simplement enlever les uns ou les répétitions. C'est effectivement construire un récit qui va avoir sa propre dynamique. Il va y avoir une notion d'intrigue. Nous allons essayer de mettre en évidence un ou plusieurs paradoxes dans les propos de notre interlocuteur. Ce qui va faire la qualité et la finalité du récit, c'est que d'abord, effectivement, la personne qui nous a confié ses propos, en toute confiance, se retrouve, se sente effectivement grandie par ce que nous lui renvoyons, et elle va avoir, pour cela, tout pouvoir pour modifier le texte, changer l'ordre des paragraphes que nous avons pensé être le bon, modifier, ajouter, demander l'anonymat de tel ou tel élément, voire même nous dire en définitive, d'accord, vous avez fait ce travail, mais je n'autorise pas la publication. Je n'autorise pas la publication. Donc nous aboutissons à un document d'à peu près 9000 à 12000 sites, 4 pages dactylographiées A4, hein, pour vous donner un ordre de grandeur, qui va être effectivement mis sur le site. Et dans toute la mesure du possible, le récit dûment validé par la personne qui nous a confié ses propos est illustré par 2 ou 3 photographies. L'idéal, bien sûr, c'est que la personne elle-même nous donne une photographie. Si ce n'est pas le cas, nous en cherchons, bien sûr, pour que sur le site, le récit soit agrémenté de quelques situations de travail. Voilà. Donc, si la mise en mot est validée, ben, le texte est inséré sur le site web. Et je crois que c'est une...
situation tout à fait particulière en matière de sociologie, que le lecteur de l'ouvrage puisse avoir accès intégralement aux matériaux bruts. Au mieux, on a des fragments d'entretien qui ont été choisis par le ou les auteurs. Là, le lecteur de l'ouvrage peut aller confronter les verbatims que nous avons choisis, que nous avons sélectionnés, au récit intégral. Et moi, je vous suggère de faire une lecture hybride. Vous lisez le livre et puis vous dites « Ah, cette personne, ça m'intéresse. Pourquoi, ou alors, pourquoi dit-elle ça ?» Eh bien, je vais voir et là, je vais pouvoir resituer le fragment d'entretien que nous avons sélectionné. Ah oui, du coup, je comprends mieux la dynamique, le paradoxe qu'elle a évoqué, la situation particulière qui est la sienne. Voilà, donc si vous voulez, ce travail a été conduit donc, pendant donc, ces 18 mois. Nous avons eu la chance, effectivement, on se donnait un peu des moyens. Au début, vous avez compris comment on a travaillé. Hein. On a travaillé dans notre petit cercle. Et puis, de fil en aiguille, c'est la technique du réseau. Hein. Pouvez-vous nous indiquer une personne qui voudrait parler? Et donc, on a travaillé avec des salariés du secteur privé, du monde associatif. Enfin, vous avez la liste. Hein. Et donc, nous avons 55 entretiens. 85% ont été faits à distance, à visio. Les 15%, c'est plutôt des entretiens que nous avons faits à la fin de la période qui nous a motivés, où là, effectivement, nous avons pu rencontrer des... Personnellement, je n'ai pas rencontré de différence significative. Ce pourrait être un débat. Est-ce qu'il y a une différence dans le recueil de récits en visio et le recueil de récits in situ? Je fais beaucoup aussi en ce moment de recueil de récits de travail en direct, en situation. Je n'ai pas vraiment le sentiment... mais c'est un sentiment personnel qui est d'une vraie, une vraie différence. Donc, nous nous sommes retrouvés avec un corpus de plus de 500 000 signes. Alors, quand j'ai eu dans les mains ceci, à l'occasion d'une rencontre que nous avions en Ardèche, j'ai lancé la très mauvaise idée de dire « mais là, nous avons un trésor, on ne veut pas le laisser simplement sur le site Internet, il faut essayer de montrer qu'au-delà des récits singuliers, il y a quelque chose qui s'est passé ». Et donc, comme Luc l'a dit, j'ai eu la grande chance de travailler avec Renaud dans une deuxième partie de ma carrière, comme chercheur associé. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'un chercheur associé? Non? Ah, c'est un personnage très intéressant. Un chercheur associé, il est invité à travailler avec des chercheurs dûment, je dirais, mandatés, et à la fin du mois, il ne se passe rien. Le comptable est ravi. Voilà. Donc, le chercheur associé que j'ai été au LSI et que je suis aujourd'hui au LISE, s'est dit dans cette lecture, mais il y a quand même là, pendant ces grosso modo 18 mois, il s'est passé quelque chose. Je me suis rappelé quelques leçons de sociologie et j'ai pensé assez rapidement à Marcel Mauss et à la notion de fait social total. Effectivement, j'avais cette intuition et je me suis dit, essayons de voir effectivement la lecture de ces 500 et quelques mille signes, 55 entretiens, est-ce qu'on peut tirer un fil? Est-ce qu'on peut tirer un fil? Alors, il y avait plusieurs manières de tirer le fil. Il y a quatre options. La première option, c'est de dire, ben, on publie intégralement en papier, dans un certain ordre, avec une petite introduction, l'intégralité des entretiens. C'est ce que Roxane, l'une de nos collègues, a fait en interviewant 15 artisans dans un village du Cantal à Salers, où là se sont installés. Donc, publication intégrale. Je me suis dit, ça va faire un gros bouquin, à peu près 275 pages, pas forcément très lisible. La deuxième approche, ben, c'est de dire, ben, en définitive, on a des catégories socio-professionnelles, on a des groupes socio-professionnels. Pourquoi? On a des enseignants, on a des médecins, on a des salariés, on a des bénévoles, on a des enseignants. Pourquoi pas faire un kaléidoscope, une espèce de sociologie des métiers ou des situations de travail? Ben, ça a été fait dans un très très bon ouvrage qui s'appelle « Le train comme vous ne l'avez jamais lu », où effectivement, on passe du conducteur de TGV à la guichetière, de l'aiguilleur à celui qui est chargé de l'entretien. J'ai tenté, mais je me suis dit, j'avais des trous dans la raquette, comme dirait l'autre. Donc, ça ne m'a pas paru une très, très bonne approche et je ne voyais pas comment, parce que j'avais quand même cette hypothèse du fait social total, mais qu'est-ce qui relie ces différentes catégories socio-professionnelles? Il y avait une troisième option qui était l'option d'écrire un récit. Jacques a fait allusion, l'urgence, c'est de vivre. Pierre Madiot, qui est notre président,
minute de respect, a vécu une expérience douloureuse. Son épouse a été atteinte du cancer, elle a été hospitalisée dans une clinique, et Pierre a eu l'opportunité effectivement de rencontrer la totalité des personnes qui prenaient en charge les patients de cette clinique. Depuis l'hôtesse d'accueil qui accueille les familles jusqu'à au chirurgien, au brancardier, au manipulateur de radio, au personnel qui est en charge de la restauration, etc. Je ne me voyais pas faire un récit, je n'ai absolument aucune qualité littéraire. Et donc, je me suis dit, mais en définitive, tu as eu la chance de côtoyer et de mettre en pratique, puisque Luc a fait allusion à mes 10 dernières années à l'Observatoire des missions et des métiers, de faire référence à la méthode dite SIC, l'analyse culturelle des institutions. Je me suis dit, en fait, nous avons des institutions, il y a des valeurs qui traversent ces institutions, il y a des interrelations entre les personnes, elles ont été modifiées par les décisions des pouvoirs publics. Essayons de voir si effectivement, en regardant systématiquement les trois pôles de ce fameux triangle SIC, je peux effectivement tirer quelques fils qui rassemblent les personnes qui nous ont confié la manière dont ils ont vécu cette année et demie. Je vous fais l'économie de l'analyse du SIC, mais je voudrais surtout insister sur le dernier point. Ce que Renaud appelle la légitimation. Quand il y a des, on va dire globalement, je fais vraiment à grand trait, je m'en excuse, quand on fait l'analyse de réforme, il y a des valeurs qui bougent, il y a des valeurs nouvelles qui émergent. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces nouvelles valeurs, elles vont être perçues comme légitimes ou est-ce qu'elles sont éphémères ? Voilà. Et si elles sont légitimes, eh bien elles vont prendre la place des règles instituées qui était en vigueur avant la réforme. Donc la question de la légitimité des valeurs, c'est vraiment, je dirais, la clé de voûte de l'analyse sociologique des institutions telles que Renaud Saint-Saulieu et Françoise Piotté l'ont posée et telles que j'ai essayé de l'analyser au regard non pas de mes perceptions, puisque j'étais moi-même en situation de retraité télétravaillant, mais à travers les 55 entretiens que nous avions recueillis. Et donc, on va donner la parole à ces personnes en analysant, d'abord la question des normes. Comment les normes ont été bougées, bouleversées, ou au contraire, comment elles se sont raidies? Parce qu'en définitive, dans le mouvement des plaques tectoniques, il y a à la fois de l'expansion et du rétrécissement. Si vous lisez le premier entretien, Julie, donc c'est une jeune chargée de recrutement, et là, je dirais presque tous les mots comptent. Je veux dire, c'est un verbatim tout à fait emblématique. Il y a l'annonce du vendredi par le grand chef. On part avec son ordinateur sous le bras. Donc déjà, on part avec son ordinateur sous le bras. C'est une obligation. On ne demande pas la permission, c'est une obligation. On passe en télétravail forcé et ça va démarrer comme ça. Donc, il y a vraiment là un avant et un après. On a vraiment là toutes les normes d'organisation du travail qui avaient cours, je dirais jusqu'au jeudi, basculent quasiment en 72 heures. Voilà. Quand on regarde le monde de la formation, là, on est sur une personne qui accompagne des jeunes adultes qui sont en cours d'insertion, qui ont besoin de soutien, à la fois d'un soutien, je dirais, intellectuel, pour réussir un certain nombre de diplômes, mais aussi un soutien, je dirais, psychologique. Ils ont été en échec scolaire, ils ont galéré, voilà. Et là, on ne peut pas se voir. On ne peut pas avoir ce soutien. On va être obligé de bricoler. Je veux revenir sur cette notion de bricolage, cher à Norbert Alter. On va être obligé de bricoler avec les moyens du bord, y compris avec des outils qui ne sont quand même pas des outils tout à fait adaptés, des smartphones. Et donc, du coup, là, on voit effectivement une espèce. Le groupe va survivre, mais avec beaucoup d'attrition. Et en fait, un groupe d'une douzaine de personnes va se retrouver à 5, in fine à 3. Donc, vous voyez, là, on a à la fois des mouvements d'expansion, mais aussi des mouvements de rétrécissement et des questionnements. J'étais sur des mouvements de contrôle. L'encadrement, et c'est pour moi, à travers ce que j'ai pu lire, il y a pas mal de cadres intermédiaires qui ont été interviewés.
il y a un grand malaise hein, à travers les entretiens que nous avons recueillis chez les, ce qu'on appelle les N+1, le management de proximité. Ils sont pris entre, déjà ils étaient pris entre marteau et enclume, mais là c'est encore pire. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois garder les règles du commande et contrôle ou est-ce que je dois trouver une nouvelle posture adaptée de type accompagnement? Alors vous avez Maxime hein, qui est chef de projet qui découvre effectivement que son chef en définitive sous des aspects un peu patelins hein, qui prend là, il prend des nouvelles mais en définitive des uns et des autres par téléphone en définitive ces prises de contact matitudinales c'est un moyen pour lui de vérifier que tout le monde est à son poste de travail. Et donc là, les parents qui ont accompagné leurs enfants, être à 9h au moment où le chef téléphone pour demander si la nuit a été bonne et si le rapport est prêt, eh bien, ça pose problème. Et donc, on va voir apparaître, et ça perdure, un certain nombre d'indicateurs qui vont chercher effectivement à mesurer le temps de travail. Et là, Jacques l'a dit, et très justement en introduction, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la quadrature du cercle. C'est quoi le travail? Quand je réfléchis et que ma souris est immobile, je travaille ou je ne travaille pas? Peut-être que je travaille beaucoup plus et de manière beaucoup plus créative que quand ma souris bouge. Donc là, on est dans des espèces d'impensés, de mon point de vue, en tout cas ce que j'ai ressenti en relisant les récits des uns et des autres. C'est effectivement des tentatives. Le patron du MEDEF de l'époque a eu une formule, j'en donne les références dans l'ouvrage, il était interviewé par le Télégramme de Brest, et il a eu cette formule qui révèle bien le côté très rétrograde du patronat à ce moment-là, télétravail, téléglandouille. Voilà. Donc, introduction de mesures, avec le numérique, hein, est une manifestation d'un certain raidissement. On voit bien que les normes bougent, mais on ne veut pas qu'elles bougent en définitive. On veut se donner des garanties pour que, effectivement, l'ancien monde demeure. Alors, elles sont résistantes et elles génèrent effectivement du bricolage. Elles génèrent du bricolage. Par exemple, c'est le propos de Anne, qui est professeure dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Ses élèves, ben, ils sont chez eux. Et elle dit, mais on va créer un groupe WhatsApp. Vous imaginez pour les élèves ce que ça représente déjà? Parce que WhatsApp, c'est pour parler avec les potes, quoi. Et là, on va parler avec le prof. Et le prof, il va être obligé de montrer à travers WhatsApp où il habite. Il n'a pas encore découvert qu'on pouvait flouter les arrière-plans. Quoi. Donc, vous voyez, on va être dans des remises en cause à la fois des modes de communication et on va toucher des dimensions très intimes de la communication. Et elle fait cette remarque qui, à mon avis, est extrêmement forte. Elle s'aperçoit que dans les nouvelles modalités de travail et de communication, ce n'est pas les élèves qui étaient les plus actifs en présentiel qui sont actifs, questionnants, participants, dans la nouvelle modalité. Les cartes sont bousculées. Vous avez compris qu'il y avait des hypothèses, j'y reviendrai peut-être, où il y a eu des transferts. Alors, il y a eu des transferts chez les enfants, chez les adolescents, mais il y a eu aussi des transferts chez les adultes. Ceux qui ont été les plus habiles, en tout cas les moins handicapés dans le travail, au moment, dans les premières semaines du confinement, c'était ceux qui déjà, en termes familial ou amical, manipuler les outils de communication. Donc, il y a eu des apprentissages, des transferts d'apprentissage qui se sont faits comme ça, de manière assez spontanée, avec des formules parfois d'entraide. Voilà, donc ce groupe WhatsApp, il va générer effectivement des communications tout à fait à la fois pertinentes, mais questionnante pour un certain nombre d'élèves et très questionnante pour les enseignants, avec la notion de double travail. Je ne peux pas faire à distance l'enseignement que je faisais en présentiel. Alors, en termes de petite synthèse, les normes, je les ai intitulées « socle de toute organisation ». Effectivement, toute organisation, même une organisation modeste comme la compagnie, elle a un socle, elle a des statuts qui ont été déposés à la préfecture. Alors, il y a d'abord de la sidération, mais ça, je ne vous apprends rien. Il y a eu vraiment un temps de sidération.
qui a été parfois très douloureusement vécu. Hein. Il y a des personnes qui ont vraiment perdu, j'allais dire, le nord, hein, se sont retrouvées parce que coupées d'un certain nombre de normes, à la fois de normes personnelles, mais de normes professionnelles. Il y a eu des apprentissages très inégaux. Donc là, je faisais à l'instant allusion quant à l'usage des outils numériques. Il y a des tentatives de contrôle. J'ai parlé du patron du MEDEF, télétravail, télé-glandouille, quoi, effectivement. Et après, on a... Quand on a eu effectivement des analyses un peu plus sérieuses, on s'est aperçu qu'effectivement, et j'y reviendrai au niveau des interactions, les cadres de proximité sont pris entre deux feux. Est-ce qu'on doit être dans la proximité ou est-ce qu'on doit être dans un raidissement? Parce qu'il faut rendre compte à la hiérarchie que le boulot se fait et donc il faut avoir des indicateurs. Et plus on en a, plus ceinture et bretelles, hein, comme disait un de mes directeurs. Et on voit des bricolages organisationnels qui se mettent en place par des acteurs, pas forcément des acteurs de premier plan. On a là un peu des géo-trouve-tout, quoi. Hein. On a là un peu des géo-trouve-tout. Et souvent, en tout cas, quand je relis les entretiens, ces géo-trouve-tout, ils ont une motivation pour dépasser la situation de sidération ou de dépasser les situations de blocage. C'est une certaine notion. Alors, c'est pas propre aux personnes du service public. On pourrait dire, oui, les gens du service public, ils ont... comme par hasard, et puis ce truc qu'on voulait nous parler, il y a des biais méthodologiques. Non, on le retrouve aussi chez d'autres personnes, y compris chez des bénévoles pour lesquels, bon, ils auraient pu rester tranquillement chez eux. Donc, autrement dit, ce que je voudrais insister là, c'est que dans les 55 entretiens que nous avons recueillis, on a des bricolages organisationnels qui sont portés par des personnes qui ne cherchent pas leur bien-être individuel, un peu, bien sûr, essayer de... Bon, de moins se prendre la tête, de distinguer temps de travail, temps familial, au niveau de l'espace, je ne peux pas développer tout cela ce soir, mais il y a une finalité quand même, c'est en définitive, puisqu'il y avait maintien du salaire, quand même, il ne faut pas l'oublier, hein, je veux dire, ça a été quand même des éléments de politique publique et de morale importante, mais il faut rendre le service à l'élite, quoi qu'il en coûte, quoi. Quoi qu'il en coûte, je reprends la formule du gouvernement, quoi qu'il en coûte, il faut rendre le service. Voilà. Et donc, on va bricoler, y compris, j'ai en tête là une personne qui gérait des contrats à durée déterminée avec des formules très compliquées, et elle dit dans un des entretiens, j'avais des gens au téléphone, y compris quand j'allais aux toilettes, quoi. Voilà. Et donc, elle couvrait pas son téléphone parce qu'il fallait répondre à des questions qui lui étaient posées. Deuxième pôle de l'analyse, c'est les interactions. Est-ce qu'elles sont les moteurs de l'organisation? Par quel canot on va interagir au travail? Eh bien, le premier réflexe, c'est le téléphone. Ça, c'est complètement classique. On va le retrouver systématiquement. Allô, qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Etc. Joumala, la directrice d'une association d'insertion, c'est très intéressant ce qu'elle dit. La prise de contact le matin, c'est sur le chantier. Imaginez, c'est un potager, hein, un grand potager qui va servir des légumes à des associations. Donc là, on prend le café le matin. Là, la directrice, elle téléphone. Donc elle crée par le téléphone l'interaction qu'elle ne peut pas faire puisque les gens ne peuvent pas venir au potager pour savoir comment ils allaient. Je trouve que ça crée une relation différente, effectivement. Hein, autour du café et puis par téléphone, bah, ce n'est pas la même chose. Les visioconférences s'installe, se banalise. Je vous épargne toutes les anecdotes sur les tenues, les lieux, le floutage, les situations incongrues. J'ai repris les propos d'une jeune professeure des écoles en classe maternelle. Elle a des petits qui ont 5 ans, je crois, de mémoire. Elle a les grands, entre guillemets, quoi. Les grands chez les petits, quoi. Et donc là, elle met en place, là aussi, du bricolage, quoi. Hein. Elle est affectée dans un quartier nord de la ville de Paris. Vous voyez un peu la population. Elle essaie de créer un mode de relation et dans ces familles-là, il n'y a pas 4 ordinateurs, il n'y a pas un ordinateur pour chacun des membres de la famille. À la limite, il n'y a pas d'ordinateur et les enfants, au mieux, ont un smartphone. Et donc, elle est à un moment donné maîtresse. On ne voit pas très bien, quoi. Donc voilà, c'est un peu le cri du cœur de l'enfant qui a besoin d'être rassuré et l'image du smartphone n'est pas à la hauteur, effectivement, de la relation que l'enfant a avec sa maîtresse. Et donc voilà, et ça va se banaliser, et parfois ça se banalise pas.
C'est-à-dire que là aussi, je reviens sur cet entretien, il va y avoir des parents qui, alors, dans la plupart des cas, faute de moyens, ne vont pas pouvoir assurer effectivement le suivi. Alors que régulièrement, on leur dit, vous allez avoir des séquences où votre enfant ou votre groupe va être... Voilà. Alors, que privilégie-t-on dans les relations ? Ben, traditionnellement, dans les situations de crise, on se tourne vers les proches et les amis. Et là, on crée des situations, la situation de tension. Et Julia, qui gère du personnel, à la limite disait bonjour, bonsoir avec, à ses voisins dans une cité pavillonnaire. Là, par hasard, on va se passer des plaques. Ce qui était complètement inimaginable avant la pandémie. On crée des liens, des modalités de relation, d'une certaine convivialité qui n'avait pas lieu d'être auparavant. Alors, vous allez me dire, bien, et c'était clair, que vivre dans un appartement de 40 mètres carrés avec deux enfants à Paris ou vivre dans une villa à La Rochelle, les cartes n'étaient pas du tout les mêmes. Mais même quand on pense que matériellement, on a plutôt des conditions favorables, bien, je fais référence là à Laurence qui dit, bon, ben, nous avons un grand appartement, bon, son mari est cadre, même cadre supérieur, elle est quasiment cadre supérieur, bel appartement, deux enfants, terrasse. Et elle dit quand on vit H24, ça devient vite le Capharnaüm. Et elle a joué quatre rôles, cantinière, femme de ménage, institutrice. Et elle oublie, c'est intéressant, c'est pas une coupure de ma part, elle oublie qu'elle doit continuer à travailler. Et elle doit rendre compte à son patron que les dossiers avancent. J'y reviendrai peut-être quand on parlera de la coopération. Alors avec les collègues, bon, Alfred, c'est une des premières personnes que j'ai interviewée. Vous voyez très bien le lien. Là, vous voyez comment on a travaillé. Hein. C'est un collègue qui était encore en activité dans un département. Je me suis dit, comment tu fais, Alfred ? On était resté en contact. Comment tu fais ? Il m'a raconté effectivement comment... Et donc lui, il avait une obsession, c'était le lien. C'était le lien parce qu'il avait une contrainte forte. Il était en charge du service qui règle les aides aux agriculteurs. Donc, il avait, je dirais, un peu le pistolet sur la tempe. Il se disait, si un de mes équipiers fait défaut, on va avoir à rendre des comptes à la Chambre d'agriculture, à la FNSEA, et ça va mal se passer. Donc, pour lui, le lien était absolument indispensable. C'était essentiel. Voilà. Alors, comment les réunions, l'activité quotidienne se dépasse ? On aurait pu, je crois, tu l'as dit, mais j'aurais dû le revenir. Nous avons quand même dans nos récits et dans nos questionnements, Jacques, tu me contredis, il y a un mot que nous utilisons beaucoup, c'est le mot activité. Quelles sont vos activités ? Quelle activité est importante ? Comment vous faites pour réaliser cette activité ? Cette activité est-elle complémentaire avec telle autre ? Au contraire, est-elle contradictoire ? Est-ce que vous avez arbitré entre plusieurs activités ? Donc, cette notion d'activité, hein, qui permet d'approcher, hein, la notion de travail réel, elle est tout à fait cruciale. Et là, moi, je salue le travail qu'ont fait les ergonomes pour effectivement ce que les sociologues n'ont pas toujours su faire. Hein, et c'est là que justement le travail interdisciplinaire est riche et fécond. Donc, travailler pour faire des réunions, là, on voit des choses assez originales. Il va y avoir des réunions où des personnes qui ne venaient pas quand la réunion était en présentiel viennent. Ah là, il y a des leçons à tirer. En définitive, comment se font les arbitrages ? Et je crois que là, pour un cadre dirigeant, c'est extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qui a favorisé la participation alors qu'on jouait plutôt à la cheville. Dans des organisations décentralisées, comment ça fonctionne ? Je sais que Blaise a beaucoup travaillé là-dessus. Blaise a beaucoup travaillé dans son organisation sur ces questions-là. En fonction du thème, quelle est la bonne modalité ? Quelle est la modalité la plus pertinente ? Quelle est la modalité la plus efficiente ? Donc, j'y reviens. Qu'est-ce qu'on privilégie dans le travail à distance ? Eh bien, c'est servir les bénéficiaires de ces activités. C'est pour ça que j'insiste bien. On identifie l'activité cruciale, l'activité, je dirais, centrale, et on va essayer de tout faire pour l'assumer, je dirais, de la manière la plus fidèle possible. Et là, on a un verbatim tout à fait intéressant. Une personne qui était complètement fâchée à l'hôpital, qui ne se reconnaissait plus dans les logis de l'hôpital, elle entend parler qu'il y a des problèmes graves, et qu'il y a un manque de personnel, elle a des anciens collègues qui sont malades. Elle revient à l'hôpital,
elle retrouve le sens de l'hôpital dans la pandémie et elle signe un CDI. Donc là, vous voyez, on a une espèce de retournement entre le désamour et une réaffiliation tout à fait intéressante. Donc les interactions, bien, il y a trois logiques, hein, je ne les développe pas, mais elles sont dans le livre. Avec 20 euros, vous allez pouvoir les lire en détail. C'était la page de publicité. Et vous pouvez partir avec ce soir. Avec en plus une dédicace personnalisée. Il y a faire au mieux. Faire au mieux, ben, c'est avec les moyens du bord. Quoi. Faire au mieux. Parce que j'ai d'autres contraintes. J'ai mes enfants à suivre. J'ai mon mari qui est souffrant. J'ai un parent qui est malade à l'hôpital. Ben, je fais au mieux. Mais voilà, je suis dans une situation où, voilà, les journées n'ont que 24 heures. Et j'ai le sentiment que je fais pas ce que je pourrais faire en situation présentielle. Voilà. Mais j'estime, voilà, faire au mieux. Il y a faire aussi bien qu'en temps ordinaire. Voilà. Ça, c'est une situation, je dirais, assez confortable. Voilà. J'y arrive. Parfois, c'est un peu plus dur, mais parfois, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal parce qu'en définitive, comme disait une personne, en définitive, je peux m'arrêter quand je veux, je peux lancer ma machine à laver quand je veux, voilà, je peux faire un certain nombre de choses, je peux aller chercher mes enfants, etc. Mais voilà, mieux qu'en temps ordinaire. C'est vraiment là l'articulation, je dirais, travail hors travail, et qui va effectivement, vous avez compris, être, je dirais, un des moteurs forts de la position du travail hybride. Et puis, il y a une modalité, alors elle est minoritaire, hein, elles ne sont pas équivalentes, hein, les trois là, hein, elle est minoritaire, c'est là, eh bien, par rapport à la complexité de la situation, les modalités habituelles de travail ne permettent pas d'y faire face. C'est la fameuse loi de variété requise, hein. Vous la connaissez? Quand on a affaire à un système complexe, il faut se doter d'un système de pilotage d'une complexité égale à la complexité du système plus 1. Je vais vous poser une petite devinette là, que j'aimais poser à mes étudiants. Je vais faire une petite tranche de... Est-ce que vous connaissez la différence entre complexe et compliqué? Je vais vous donner deux exemples, entre complexe et compliqué. Alors, je vais vous aider ce soir, je suis en forme. Je vais vous donner deux objets, vous allez me dire quel est l'objet complexe et quel est l'objet compliqué. Premier objet que je livre, un plat de spaghetti bolognaise avec du parmesan et un brin de quoi ? De basilic. De l'autre côté, un moteur d'avion à réaction qui sort de chez Safran. Quel est l'objet complexe? Les spaghettis. Pourquoi? On ne peut pas revenir en arrière. Dès que vous les avez touchés, c'est fini. Vous ne pouvez pas retrouver la... Le moteur d'avion, on peut le découvrir. Heureusement, il y a des kilos de notices ou des milliers de lignes de procédures. Démonter, remonter, heureusement, sinon il n'y aurait pas de révision. Voilà. Donc, dans des situations complexes, il va falloir imaginer un système de pilotage qui va, j'allais dire, sublimer la complexité du système. Et la coopération va en être. On va travailler avec des gens avec qui, dans des situations normales, on n'a pas besoin de travailler. Parce qu'on avait des procédures et il y avait des procédures ad hoc. Et là, on a un magnifique exemple, en plus, ancré, je dirais, dans une situation de pandémie, avec des personnes qui sont dans des situations d'une très, très grande complexité, sans papier, malade, atteint de maladies récurrentes, etc., etc. Et bien, on voit un groupe de soignants et d'institutionnels qui disent, ben, en effet, il faut se mettre autour de la table. Pour résoudre à la fois les problèmes de papier, les problèmes d'accueil, les problèmes d'hébergement, les problèmes de soins, etc., etc., les problèmes de réinsertion. Voilà, alors en synthèse des interactions, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ça n'a pas simplement accéléré des changements qui étaient en cours. Hein. Si on regarde le travail à distance, moi, quand je suis rentré au ministère de l'Agriculture, il y avait déjà du travail à distance. Mais les travailleurs à distance, c'était qui? C'était une toute petite poignée d'experts de très haut niveau qui allaient de temps en temps à Bruxelles. Et la deuxième groupe, c'était qui? Les travailleurs handicapés, lourdement handicapés. Voilà. Les autres, pas question. Donc là, on voit que la pandémie a
accéléré et même a bouleversé, je dirais, il y a eu une rupture de tendance, hein, il y a ce que j'appellerais moi un effet cliqué, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. Et là, ça conforte l'hypothèse de base, c'est qu'on est sur un fait social total, c'est-à-dire qu'on ne revient pas en arrière. On peut ralentir le rythme, mais on ne revient pas en arrière. Vous savez, c'est la pièce qu'on a dans les remontes de pente ou dans les téléphériques, c'est la crémaillère. Hein. Heureusement qu'il y a la crémaillère. Hein. Donc, il y a une accélération, il y a des brouillages spatio-temporels, et ça, ça a été une source de souffrance. Quand je dois partager mon séjour avec mon épouse ou mon conjoint avec les enfants, quand est-ce que je travaille? Je travaille à 23 heures, les enfants sont couchés, enfin voilà. Donc, il y a des brouillages de frontières. Et le tout à distance est progressivement rejeté. Hein. Vous savez qu'il y a eu un mouvement très favorable, surtout en région parisienne, dans les grandes métropoles, on gagne du temps, et puis on va y revenir, et c'est le mode hybride qui va être publicité. Les cadres de proximité sont confrontés à des remises en cause, je dirais, quasiment existentielles, et cette réduction des interactions en présentiel a favorisé un questionnement sur le sens du travail. C'est-à-dire, comme je ne suis pas dérangé par Pierre-Paul ou Jacques, que je peux prendre du temps à un moment donné pour me poser, je vais analyser les activités qui me sont données. En définitive, quel sens j'y donne? Quel sens j'y donne? Et je crois qu'on peut faire, en tout cas quand on lit les entretiens, et je crois que ce qu'on voit, ce qu'on vit depuis pratiquement maintenant 2 ans, nous le confirme, la remise en cause d'un certain nombre d'activités qui étaient faites de gérer de manière mécanique, sans se poser trop de questions, le temps de confinement a été des moments où justement, on s'est un peu posé. Et du coup, on s'est dit, en définitive, est-ce que je vais passer ma vie à la perdre, quoi. Alors François, juste pour terminer, on arrive dans la dernière partie du temps qui était imparti. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'aimerais poser une question à la fin, notamment à la fin du livre, juste tenir compte de ce paramètre. Alors, quand nous avons eu terminé cette analyse sur les valeurs, vous allez voir que nous avons un bilan, je dirais, vraiment en demi-teinte. Quoi. Nous avons un bilan en demi-teinte dans la lecture des entretiens. Ça bouleversait les interactions, mais je dirais qu'il y a aussi des effets d'élastique. Hein. On revient un peu en arrière, on avance. La question que nous nous sommes posée en groupe, hein, lors de nos réunions mensuelles, c'est rendre compte, oui, mais quand on relit l'article 2 de notre statut, est-ce que ça crée du débat? Est-ce que faire cette synthèse, la livrer, est-ce que ça crée du débat? J'ai eu la chance, dans le cours de mes études, je suis économiste au départ, de travailler avec quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de prospective, de méthodologie de prospective. J'ai lu les travaux de Bertrand Jouvenel, il y a une notion, moi, qui m'a beaucoup intéressé, c'est la notion de futurible. C'est-à-dire, quels sont les futurs possibles? C'est un néologisme, hein, futurible, futur possible. Et quand vous adoptez cette notion-là, ben vous êtes dans la pluralité. Il n'y a pas un scénario établi, même si apparemment vous avez une tendance qui apparaît mathématiquement, hein, le fameux train des statisticiens. Les individus, les collectivités, les institutions ont plusieurs avenir possible, l'avenir se construit, hein, dit Bertrand de Jouvenel. Donc, fort de ces réflexions et de ces convictions, je me suis dit, il ne faut pas écrire un scénario. D'abord, je n'avais pas les moyens, ce serait complètement mégalomaniaque de ma part de dire, voilà, dans 3 ans, on en saura. Doucement, hein, le François, là, il travaille du chapeau. Là, Je me suis dit, on va essayer d'imaginer des scénarios alternatifs, volontairement contrastés, volontairement, je dirais même des scénarios provocateurs, pour amener le lecteur ou des groupes à se dire en définitive où on en est, où nous sommes-nous, où sommes-nous et que voulons-nous? Eh bien, puisque tout le monde a un document papier, est-ce que tout le monde a un document papier? Eh bien, on va passer à la partie pratique. Oui, j'ai sauté la culture, mais j'ai compris que j'avais été un peu long sur les interactions. La culture, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a des valeurs émergentes. Il y a des valeurs qui sont légitimées,
il y a des valeurs qui sont légitimées. Par exemple, le rôle d'accompagnement du cadre de proximité, au jour d'aujourd'hui, un cadre pourrait être légitime s'il ne fait pas de l'accompagnement. Il peut continuer à faire un peu de contrôle. Mais s'il n'introduit pas dans sa posture professionnelle, des temps d'accompagnement, il est mort. Il est mort. Son équipe va se dissoudre, va se disjoindre, il est mort. Je crois que ça, c'est un élément tout à fait important. Alors, ces scénarios, pour rester dans la logique de l'analyse culturelle, je me suis dit en définitive, quelles sont les variables qui peuvent participer à la construction de scénarios. Mais il y en a trois. Il y a les normes, il y a les interactions, il y a la culture. Pour les personnes qui sont dans la salle, c'est donc l'équivalent de l'encadré 33, c'est ça ? C'est ça, absolument. Les 33. Tout est calculé, il n'y a pas de hasard. Hein. La pandémie n'est pas complètement terminée. Alors, il y a deux scénarios extrêmes. Hein. Il y a soit l'essor du numérique, et vous voyez bien que avec les outils qui se mettent en place depuis pratiquement maintenant 2-3 ans, quoi, hein, l'IA générative, etc., vous êtes filmé. On a là un néo-taylorisme, je ne rentre pas dans les détails, on en parle encore aujourd'hui avec l'ubérisation des livreurs, le contrôle, etc. Donc, on a cette tendance-là, une espèce de déshumanisation, hein, déshumanisation des activités, multiplication de la sous-traitance à l'infini. On en parle beaucoup autour du Grand Paris, des cascades de sous-traitants, hein, et voilà. Donc, ça permet de contrôler et de ne pas être responsable. Hein. Moralement, je vous laisse apprécier. Ou bien, est-ce qu'on est dans un monde où, au contraire, les acteurs le plus près du terrain ont la liberté d'imaginer, de mettre en place, de tester des bricolages organisationnels? Je vous renvoie là, si cette notion vous intéresse, aux travaux de Serge Moscovici, les minorités innovantes. Qu'est-ce qu'une minorité innovante? C'est un groupe qui va subrepticement distiller une autre manière de faire qui va être plus congruente. Il ne va pas dire la manière d'aujourd'hui est mauvaise, il va dire, et si on essayait ça, donnez-nous l'opportunité de faire un petit groupe. Hein. Donc derrière, il y a des gens qui vont observer, et progressivement, en espèce de contamination positive, on va s'apercevoir que ce qui a été bricolé, en définitive, compte tenu du contexte, c'est plus pertinent que les anciennes normes. Donc, vous voyez, d'un côté, on est dans une verticalité absolue. De l'autre côté, l'imagination est un petit peu au pouvoir. Tentons, bricolons, essayons. Donc, le petit exercice que je vous propose, vous allez le faire pour vous, il est double. Dans un premier temps, dans l'univers qui est le vôtre, vous avez vu, il y a 4, hein, il n'y a pas 5. Vous ne pouvez pas voter au milieu. Vous ne pouvez pas être au milieu. Je suis gentil, vous pouvez mettre le cul entre deux chaises, excusez la familiarité. Pas de ouais. Ayez l'interprétation que vous voulez. Dans un premier temps, posez-vous la question dans quel univers vous êtes. Faites une petite croix. Et si cette solution, cette situation ne vous plaît pas, faites bouger une deuxième croix. Dites par exemple, je suis aujourd'hui dans un univers, je suis dans la deuxième case sur l'essor numérique, on n'est pas vraiment dans une hyper-taylorisation, mais quand même, je sens bien qu'il y a du contrôle, il y a du rendre compte, il faut faire des tableaux, je passe beaucoup de temps à ça. Est-ce que c'est vraiment productif? Est-ce que c'est vraiment pour ça que j'ai envie de travailler? Est-ce que ça correspond à ma formation, à mon idéal, à mon ethos du métier? Ah, il faudrait décaler un peu là. Passer effectivement. Et là, si vous voulez passer un peu plus sur la droite, posez-vous la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que je dois faire moi, ou avec mes collègues, ou avec mon chef, ou avec ma hiérarchie? Qu'est-ce que je dois faire pour que, en termes de normes, nous soyons moins sur des systèmes très ficelés, très verticaux, très normalisés, très descendants, et un peu plus, que nous laissions un peu plus des espaces et du temps à non pas des inventions, hein, des innovations. Hein. Werhalter parle d'innovation ordinaire. Hein. Moi, je lui rends son travail. Voilà. Autour des interactions, il y a
communiquer pour être plus efficace. C'est ce que disait un de mes directeurs avant que je quitte. Il me disait « heureusement que j'ai une assistante ». C'était donc en 2009. Il me disait, le directeur général, hein, il avait à peu près sous son autorité à peu près 300-350 personnes. Grosse PME, quoi. Hein. Il me disait « heureusement que j'ai une assistante parce que j'ai chaque jour 500 mails ». Ah, il était informé, hein. Il était informé. Il était quasiment en copie systématique de tout échange du niveau du chef de bureau. Quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était une notion de l'efficacité qui était complètement perverse. Quoi. Et heureusement qu'il avait une super assistante qui était capable de distinguer entre ce qu'il avait à traiter ou pas. Et puis, c'est échanger pour coopérer. Quand est-ce que, c'est-à-dire qu'avant de lancer de l'information, est-ce qu'elle va être intéressante? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle contribue à l'objectif que nous sommes donnés? Autrement dit, est-ce que je fais un travail de tri? De tri au regard du projet, de la finalité. Voilà. Donc voilà, là vous pouvez mesurer de la même manière, est-ce que vous êtes dans le scénario de gauche, où on est submergé par l'information, ou bien est-ce qu'on se donne des règles de communication et avec un certain nombre d'indicateurs qui sont la question, effectivement, de la pertinence de l'information. Et là, on voit bien que ça va être dans des modes mixtes. Enfin, moi, j'ai essayé de le décortiquer un petit peu. Si on veut être dans l'échange pour coopérer, ça passe à la fois par des temps où je suis seul derrière mon ordinateur. Cette information-là que je viens d'avoir, est-ce que je la diffuse ou pas? Et puis, les temps présentiels, où là, effectivement, l'information qui a été j'allais dire diffuser, est-ce qu'elle fait sens? Est-ce qu'elle s'agrège? Est-ce qu'elle coagule, si j'ose m'exprimer ainsi? Est-ce qu'elle coagule? La dernière paire de scénarios, eh bien, c'est l'autonomie au prix de la déliaison. Moi, je veux être autonome. Hein. Pas m'emmerder. Hein. Faut pas m'emmerder. Donc, tu me donnes une tâche à faire. Je la prends le lundi. Enfin, je caricature à peine. Hein. Je la prends le lundi. Tu me demandes de rendre compte le mercredi et le vendredi. Et le reste du temps, tu me laisses me débrouiller chez moi. Si j'ai envie de travailler entre 2h et 5h du matin, c'est pas ton problème. Fous-moi la paix. Je suis autonome. Si j'ai envie de partir en vacances, je ferai quand même le boulot. Donc là, on est dans cette notion de déliaison, hein, on est dans une relation effectivement entre un donneur d'ordre et un exécutant et de communauté de travail, de pairs, de collègues, pas besoin. Je reçois un ordre, je fais un ordre. Ou bien est-ce qu'on est dans une espèce d'adocratie où effectivement là, il y a du débat. Il y a des valeurs partagées, puisqu'on est sur les valeurs. Il y a des valeurs partagées. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait dire, ah ben oui, la démocratie, des valeurs partagées, ça va être formidable. Ça va être formidable. C'est l'Éden, c'est le paradis sur Terre. Sauf qu'à l'extrême, vous voyez ce que je veux dire. Hein, quand on partage toutes les valeurs, on n'est pas loin de la secte. Hein. Donc voilà, là, il y a aussi dans ce scénario qui apparemment peut être perçu comme une espèce de... C'est-à-dire un peu un mirage hein, d'entendement partagé, on se critique pas, tout le monde est gentil, tout le monde est libre, un peu le monde des bisounours, attention. On voit aujourd'hui effectivement des organisations qui vont mettre en avant ce type de valeurs pour effectivement mieux manipuler effectivement les opérateurs. Voilà, donc là aussi faites un peu le test, où êtes-vous aujourd'hui? Vers où vous avez envie d'aller et qu'est-ce que vous identifiez comme levier d'action, soit à titre individuel ou individuellement et en collectif, pour qu'effectivement le gradient bouge d'un ou deux degrés vers la gauche ou vers la droite. Voilà, et donc le dernier mot, il peut appartenir qu'au chat, quoi, hein, et je reprends cette bulle du chat, le futur commence immédiatement. Après cette dernière phrase. Merci beaucoup. Merci beaucoup François pour cet exposé brillant en tout cas de l'ouvrage, en tout cas qui restitue pleinement pour ceux qui pourront
le feuilleter ou l'acheter. Voilà, il restitue vraiment le cœur du plan et de la réflexion. Alors, on va ouvrir les questions et on va commencer peut-être par la salle, le temps que les questions soient tapées d'un point de vue informatique. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose, poser une question, s'exprimer au sujet de ce qu'il vient d'entendre? On les note après. Oui. Bonjour. Des solutions pour aider tous ces cadres et managers qui sont complètement perdus dans leur management actuellement, puisque le confinement est terminé, les gens sont revenus plus ou moins. Et effectivement, ce que vous écrivez est tout à fait pertinent. Ça m'a fait beaucoup de sourire, quand je retrouve effectivement pas mal de choses entre des personnes qui sont restées dans leur grotte, les introvertis étaient très contents du confinement, et puis les extravertis étaient très contents de revenir. La difficulté, c'est de travailler avec ceux qui sont passés dans leur grotte et qui n'ont pas très envie de communiquer, même entre travail, et qui sont un petit peu, comme vous disiez à la fin, contents de donnez-moi ce qu'il y a à faire et puis je fais ce que je peux. Et le manager, avez-vous déjà imaginé ou trouvé une solution parce que vous avez discuté, parce que vous avez interviewé pas mal de gens? Alors, je reprends juste un peu la question pour les gens en ligne. Donc, la question porte sur l'accompagnement possible des managers face aux différentes réactions à la fin de la pandémie, au retour au travail, des travailleurs qui s'isolent, ceux qui veulent absolument revenir et cette incompréhension qui se crée entre presque deux mondes, voire plusieurs. C'est bien ça ? Plusieurs mondes. Je prendrai la question après. Les profs et à mesure, c'est plus clair. Oui. Je prends clair. Alors, cette situation est évoquée là, par un de nos interviewés. Hein. Il y a une personne qui dit que l'interview a eu lieu effectivement après le retour. Et ça s'est très très mal passé. Effectivement, d'ailleurs, votre interlocuteur dit on va s'en séparer parce que cette personne-là, elle a acquis un tel niveau d'autonomie qu'elle ne veut absolument pas. Elle n'imagine même plus de coopérer avec ses collègues, et sous-entendu, y compris avec moi. Quoi, y compris avec moi. Donc là, effectivement, la notion de grotte est tout à fait intéressante. Enfin, je ne suis pas consultant. Hein, j'essaie de raisonner avec les récits que j'ai pu lire et relire X fois, et puis un peu avec un peu de bon sens, puisque bon, j'ai eu effectivement encadré hors pandémie, puisque moi j'ai quitté la vie active en 2009, mais on a eu des situations comme ça avant même la pandémie. Il y a des personnes qui s'isolaient, c'est pas propre, ça a accentué hein, effectivement, parce qu'il y avait la distance, mais des gens qui étaient isolés, etc. Je crois que, et je vais rebondir sur ce qu'a dit Jacques en introduction, très modestement, je crois que pour un cadre, lire des récits de travail, s'approprier déjà intellectuellement qu'il y a différentes manières de se positionner par rapport au travail, et non pas de projeter sur un collectif la représentation qu'il a de lui-même. Autrement dit, faire rentrer de la diversité. Déjà, à mon avis, ça va l'aider. Ah, il est comme ça parce que. Ah, on peut imaginer ça. En quoi c'est pertinent? En quoi c'est impertinent? D'accord? Donc, il y a un travail. Et là, je dirais, de mon point de vue, c'est un travail qui peut être accompagné par un consultant qui est un peu sociologue ou ergonome, qui montre la diversité des logiques, des logiques de travail. Et ensuite, et en deuxième temps, je pense que en tant qu'animateur d'une équipe, il faut se poser la question, quelles sont les activités que je peux, de manière pertinente, confier à une personne qui va être plutôt dans le retrait? Plutôt dans le retrait, parce que elle est timide, elle a eu des mauvaises expériences, le travail est un gagne-pain, son travail ne fait pas beaucoup de sens. Il n'y a pas, je dirais, c'est pas machiavélique que de lui confier des tâches, des activités très cadrées. Je dirais la limite répétitive. D'accord ? Aujourd'hui, c'est plutôt les conflits interorganisationnels. Et j'en suis pas au stade de savoir comment manager. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a des conflits interorganisationnels qui se sont créés
parce que les personnes discutant via Internet, via le lien que vous pouvez avoir, c'est une sorte de Skype, elles arrivaient à parler du chef, hors situation de bureau. Ouais. Et vous avez comme ça le conflit, la mécanique de conflit qui est en grande, et qui fait qu'à un moment donné, le manager est perdu en fait. Il arrive, il n'est pas au courant de ce qui se passe, et on se retrouve avec des très profonds. Peut-être que la médiation est un sujet pour la médiation interorganisationnelle. Peut-être qu'il y a ce genre de choses qui est à expliquer aux gens ce qui leur est arrivé. Oui, bien sûr. Non, mais il faut mettre des mots, comme disait l'autre, il faut mettre des mots sur les mots. C'est pour ça que des situations où on accède à la réalité de l'autre, à la réalité de la position professionnelle de l'autre, ou la position organisationnelle du service d'à côté. Dans une bureaucratie que j'ai bien connue, hein, vous imaginez, c'était d'une banalité affreuse, quoi. Des conflits interorganisationnels, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On fait un peu la paix avec un médiateur, c'est-à-dire, pour ne pas dire choses très clairement, trois bureaux se bouffent le nez, il y a une intervention du sous-directeur ou de l'adjoint directeur général, on met les choses sur la table, on passe une journée et on redonne le cap. Mais voilà, je crois que s'il n'y a pas eu une explicitation des logiques d'action, j'essaie de parler un tout petit peu comme un sociologue, hein, s'il n'y a pas une explicitation des logiques d'action qui font que là, c'est pertinent par rapport au global, et là, eh ben, ça crée du trouble, ça crée du flou, ça crée du doublon. Chacun va dérouler individuellement ou en petit comité des logiques qui vont être effectivement contradictoires. Et c'est vrai que la pandémie et le travail à distance, surtout quand il a été massif, a généré effectivement. C'était pas, je dirais, c'était un effet secondaire. C'est pas un produit immédiat. Il y a pas un effet de cause à effet. Je dirais ça. Le fait qu'il y ait des communications différentes, soit beaucoup trop, soit pas du tout, ça a brouillé les cartes. C'est pour ça que je parle de brouillage spatio-temporel. Quand je ne rencontre pas mon collègue à la machine à café, ben je vais lui trouver des pots dans la tête, quoi. Alors qu'il n'y en a pas. Mais je vais imaginer que... Voilà, donc c'est vrai que les groupes de parole, les groupes d'échange de pratiques, enfin, à l'hôpital, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, quoi. Parce que la question de la coopération, a fortiori dans des situations de crise, s'il n'y a pas coopération. C'est-à-dire les temps qui sont apparemment improductifs sont les temps les plus productifs. Ce n'est pas quand l'infirmière chef coche des cases qu'elle est productive. C'est quand elle repère que tel patient, là, il faut peut-être non pas aller le voir toutes les deux heures, mais peut-être aller le voir toutes les heures et faire en sorte que... Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bien sûr, mais voilà, et c'est comme ça qu'on avance. Je réfléchis, grâce à vous, je réfléchis effectivement à comment. Elle m'a dit, je ne supportais plus qu'on me parle. Et oui. Je me suis retrouvée en confinement et je n'avais plus l'habitude d'interagir. Donc c'est quelque chose que je n'avais pas du tout intégré. On n'en a pas beaucoup parlé de ce phénomène. Mais c'est vrai qu'il y a une explicité. Il faut expliciter aux gens, ils ont des raisons, ce qui leur est arrivé. Et aux managers aussi, ils se sont retrouvés à faire des réunions dans tous les sens parce qu'il y avait un petit détail, c'est le chômage partiel. Donc on choisissait les personnes qui allaient au chômage si elles n'avaient pas beaucoup d'activité. Il y a des gens qui se sont inventés plein de réunions pour ne pas être au chômage. Monsieur, avez-vous une question? Aujourd'hui, il y a deux variables qui ont changé par rapport à cette étude. C'est que le télétravail est plus contraint. Et le deuxième point, c'est que pendant la pandémie, il y avait, au-delà de l'organisation du travail, qui était nouvelle,
il y avait la pandémie elle-même qui pesait sur les gens, le danger. Est-ce que le fait d'avoir supprimé le travail contrat, de plus être revenu dans une situation plus normale, on va dire, est-ce que ça peut changer l'analyse reformer la question pour... Donc la question que j'essaye de reformuler, c'est est-ce que maintenant que le travail n'est plus contraint, le télétravail n'est plus contraint, le travail peut encore être contraint, malheureusement, le télétravail n'est plus contraint en tout cas par des organisations, certaines même font même machine arrière, voilà. Et le fait qu'il n'y ait plus la pandémie qui pesait elle aussi sur la pression, sur le sentiment des personnes, des travailleurs, est-ce que la disparition de ces deux paramètres change quelque part la donne dans l'analyse qui a pu être faite par François avec le travail et la concurrence de la compagnie ? J'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que... Comme disait Brecht, le ventre de la bête est le ventre du monstre est encore fécond. Hein. Je pense que j'ai essayé de l'analyser. Hein. Est-ce que il y a eu à un moment donné, je dirais, parce que les entretiens, j'ai la chance aussi de savoir à quel moment ils ont été prononcés. Donc ça aussi, enfin, méthodologiquement, ça a été une difficulté de replacer les propos de Madame X. C'est pas la même chose si elle parle au moment du confinement ou du premier confinement ou si c'est un entretien qui a eu lieu un an après avec le recul, la maturité, etc. Donc voilà. Donc, en fait, nous avons fait des post-scriptums. Voir certains des interviews à la fin de la pandémie. Voilà. Ouais. Merci Jacques de rappeler ça. Effectivement, parce qu'on a senti qu'il y avait des propos qui étaient extraordinairement circonstanciés, quoi, hein, qui étaient parfois dans le champ de l'émotion. Hein, très important, hein, je veux dire, il ne fallait surtout pas les disqualifier, mais il fallait les qualifier justement comme des temps de l'émotion. Donc, il y a eu une période où effectivement, certaines personnes ont parlé d'un réenchantement du travail, hein, du réenchantement du travail, on va rebattre les cartes, etc. Et puis il y a le retour au réel après. Hein. Il y a le retour au réel. Il y a les logiques d'entreprise. Et quand je dis d'entreprise, au sens très très large, je dirais chez Renault, pour Renault, l'entreprise, ce n'est pas l'entreprise privée, c'est le lieu où on produit des biens et des services. Donc ces logiques-là, elles ont été, de mon point de vue, et si je. Encore une fois, ce n'est pas mon opinion que j'essaie de vous renvoyer, mais. Ce que j'ai cru comprendre des 55 entretiens que nous avons réalisés, je pense que les choses-là sont... Il n'y a pas une déception, mais ce n'est pas changer le travail, c'est interroger son travail ou le travail de son équipe et recaler ses activités, au moins en partie, sur l'éthos du travail. Voilà, sur l'éthos du travail. Et dans certaines situations... Si l'écart est trop important, je m'en vais. C'est la situation d'un certain nombre de professionnels. Hein, on sait qu'il y a des gens. La fameuse formule, vous traversez la rue et vous trouvez du job. Mais oui, dans certains cas, oui. Il y a, je crois que c'est elle témoigne sous un prénom qui n'est pas le sien. Julie l'explique très bien. Si à certains informaticiens de haut niveau, on ne propose pas de télétravail, Monsieur le directeur, vous savez, là, en face, là, j'ai 4 jours de télétravail et je peux même cumuler 2 semaines. Hein. Donc, merci beaucoup. Je ne gagnerai pas plus, mais pour mon équilibre de vie, pour ma famille. Donc, en tout cas, ce que j'ai ressenti à la lecture, ce n'est pas le grand soir, ce n'est pas la fin du travail contraint, parce qu'il y a à la limite encore plus. Vous avez voulu. Le grand article dans Le Monde hier soir hein, sur la pénibilité du travail, c'est effrayant. Enfin, les données comparatives de la France par rapport aux autres pays européens, nous sommes vraiment dans la situation les plus dramatiques en termes d'accidents de travail, de burn-out, etc., de perception de la négation du travail, accélération de la productivité. Donc, ces mouvements-là continuent, mais je dirais qu'un certain nombre d'acteurs, quelle que soit leur situation, et ce n'est pas propre aux salariés,
Je l'ai vu aussi, alors indirectement, j'ai des professions libérales qui modifient leurs pratiques. Justement, parce qu'en se disant, ben, est-ce que je fais du bon boulot, quoi ? Est-ce que je fais du bon boulot en voyant des patients à raison de 4 par heure ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est pour ça que je me suis engagé dans la médecine, quoi ? Voilà. Donc c'est plutôt, moi je pense, un peu une espèce de recadrage réflexif sur la pertinence et la valeur, je dirais, éthique des activités qu'il y a changement. C'est des, à mon avis, c'est des questions qu'on se posait pas, En tout cas, on se les pose plus et elles touchent un plus grand nombre de personnes. Là, c'est un peu intuitivement ce que je ressens, ce que je crois comprendre dans les entretiens. On questionne le travail. Et du coup, ça pose la question de l'emploi, hein, que nous n'abordons pas. Hein, mais je crois que là, dans les instances dans lesquelles je suis aussi par ailleurs, au LISE qui est avec le CET, la question là de l'articulation travail et emploi est tout à fait cruciale. Quel type d'emploi allons-nous proposer à des populations qui ont des qualifications fortes, très fortes, et qui ont des aspirations éthiques importantes? Est-ce que j'ai envie de travailler dans une entreprise qui pollue, saccage, fait de la sous-traitance à tout va, exploite des populations, etc. etc. quoi. Vous rappelez le fameux discours, j'en étais extrêmement fier, des jeunes ingénieurs de Paris-Grignon qui, au moment de la fin de leur scolarité, ont craché dans la soupe des multinationales qui leur offraient des places de cadre supérieur alors qu'ils avaient à peine 25 ans. Quoi, hein. Ça a été quand même, je crois que là on a un fait significatif. Hein. Comme dirait mon maître, on a un fait porteur d'avenir. Il appelait ça des faits porteurs d'avenir. C'est-à-dire un événement qui, en soi, dit des choses sur le futur. Et on l'a vu. Les agronomes ont été les premiers, puis d'autres corps d'ingénieurs tout aussi prestigieux ont tenu des discours tout à fait similaires. Peut-être une question de... Une question en ligne. Ah. Alors, de Blaise B. Je ne donnerai pas son nom car il est anonyme dans le livre, donc je vais quand même pas le citer ici. Donc Blaise B nous demande, te demande, as-tu entendu des moyens concrets et intéressants de maintenir ou recréer des rites culturels à distance qui permettent de consolider le ciment culturel ? Faute de t'avoir coupé pour la partie culture, tu t'y recolles. Merci à Blaise. Oui, alors cette perte du lien, je dirais, social. Les organisations ont cherché à retrouver du lien social. Il y a un dirigeant en cadre supérieur qui a en responsabilité une équipe d'auditeurs qui vont un peu partout dans le monde, hein, faire des audits d'entreprises, etc. Et ce sont, vous savez, les auditeurs, ce sont des jeunes. Hein. C'est souvent pour des jeunes diplômés, c'est un emploi. Ils font ça pendant 2-3 ans, puis bon, ça leur donne un substrat sur leur CV. Ils sont aperçus, enfin, ce dirigeant s'est aperçu qu'effectivement, alors que traditionnellement, ils acceptaient, au contraire, ils aimaient bien aller sur le terrain, aller à Singapour, à Dubaï, à Montevideo, que sais-je encore. Là, ils sentaient perte, une anxiété, chez ces jeunes. Il l'a analysé. Il s'est aperçu que, en fait, ces jeunes, ils avaient besoin de deux choses. Ils avaient besoin à la fois d'une certaine liberté qu'ils considéraient comme une espèce de droit eu égard à leur position statutaire dans l'entreprise. On parle de dire toujours ce que je dois faire. Mais par ailleurs, ils avaient quand même, c'était des jeunes gens et des jeunes filles intelligents, ils avaient conscience qu'ils étaient quand même dans une phase un peu d'apprentissage. Et que donc, pour être en situation d'apprentissage, il faut un maître d'apprentissage. Il faut donc être en contact singulier avec un auditeur qui a un petit peu quelques cheveux blancs, en tout cas qui a un peu bourlingué, et avec qui on va pouvoir discuter, pas forcément sur la place publique, mais on va se trouver un petit coin, au café, on va déjeuner, etc. Voilà. Une certaine, je dirais, convivialité qui va compenser un petit peu hein, les temps d'isolement. Et donc, ben, voilà, ils ont essayé de bricoler
communiquer, de générer effectivement des situations à distance, disant aux anciens, entre guillemets, ben, les jeunes, là, hein, il ne faut pas les laisser complètement isolés, parce qu'ils vont peut-être quitter l'entreprise en disant on n'est pas soutenu, voire ils vont tomber en dépression. Le cas, l'isolement absolu, hein, se retrouver dans un petit studio seul avec une alimentation, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on voit des formules. Il y a une autre initiative qui a été très intéressante et que je rapporte dans le livre et qui va peut-être aussi dans le sens de la première question. L'équipe dirigeante avait constaté effectivement un sentiment d'isolement très fort entre les personnes. Elle se dit, et entre les unités. Alors qu'auparavant, on est dans une entreprise où la moyenne d'âge est plutôt 35 ans, si vous voyez ce que je veux dire, hein, 30-35 ans. Il était de coutume qu'un certain nombre de salariés organisent entre eux des activités. On allait faire de la natation, faire du karting, faire des after-work un peu originaux, on allait faire des randonnées, etc. Et là, ils ont retourné le problème. De manière très intelligente, enfin, de mon point de vue. Je vous raconte. Parce que ils ont imaginé, pendant le temps de travail, de créer des groupes de 4 personnes. Une personne du service A, une personne du service B, une personne du service C, une service A. Racontez vos activités. Tu fais quoi, toi? Tu es au troisième étage, il me semble. Hein, on s'est croisés là. Et tu fais quoi, là? Voilà. Donc, l'idée, c'était à la fois de créer une table. Et certains ont joué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a, à un moment donné, ils ont sorti les cartes, quoi. Parce que ça, c'était tous les 15 jours, quoi. Et c'était toujours le même groupe. L'idée, c'était quand même de recréer à la fois une certaine sociabilité de proximité, mais tout en gardant l'hétérogénéité des services. Voilà. Une invention qui, de mon point de vue, voilà un bricolage que je trouvais assez intéressant, parce que c'était renvoyer une pratique qui était valorisée avant la pandémie, de manière totalement, indépendante et pas du tout pilotée par l'organisation, indépendante, de la réintroduire dans le temps de travail comme outil de socialisation et de décloisonnement. Pas mal quand même. J'ai une assistante qui prend les chèques pour le conseil. Hein. On va prendre une toute dernière question parce qu'on arrive à la fin du temps imparti. Est-ce une dernière intervention? Je voudrais peut-être interpeller, moi, la salle. Ah, attendez, il y a une question. Mais j'interpellerai quand même la salle. La question que je me pose aujourd'hui par rapport au travail et aussi une certaine crainte, c'est que le télétravail puisse devenir un moyen d'échapper aux mauvaises conditions de travail essayer de, voilà, d'échapper nier et surtout arrêter de vouloir corriger ce problème qui est assez important dans le travail aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a certaines personnes, vous l'avez bien précisé dans votre livre, il y a certaines personnes qui aiment bien tracer une frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle, ils se trouvent parfois contraints de faire du télétravail justement parce que le public. Oui, l'intervention dans la salle porte sur ce phénomène que le télétravail peut aussi être une ressource pour les personnes qui se retrouvent sous contrainte au travail, de s'extraire de conditions difficiles du travail. Et j'imagine que l'intervention vise aussi à demander à François ce qu'il en pense ou ce qu'il a pu observer. Tout à fait. Il y a une personne qui dit, moi, je suis très contente d'être chez moi parce que quand je suis dans l'open space, il y a tellement de bruit que ça m'épuise, quoi. Donc là, il y a des éléments physiques et physiologiques qui sont… j'ai aussi en mémoire une personne qui dit, mais quand en télétravail, je n'ai pas 20 personnes qui viennent m'interrompre. Hein,
une personne qui était globalement de mémoire un petit peu assistante, un peu RH, quoi. Donc, elle n'arrivait jamais à boucler ça. Elle avait sa to-do list et jamais, tous les soirs, c'était zéro, quoi. Parce qu'effectivement, constamment, elle avait, c'était un peu le tonneau des Danaïdes, quoi. Donc, effectivement, j'ai en mémoire alors dans une autre situation où le télétravail était alors était vraiment remarquablement imaginé. Ça se passe dans une grande entreprise de conseil, une des très, très grandes entreprises de conseil. J'en dirai pas plus. Il y avait une assistante, oui, il y avait une assistante qui avait, quand je faisais un travail sur les assistantes à l'époque, il y avait une assistante qui avait un jour de télétravail. Quand je l'interroge, je me dis, mais moi je suis là du lundi au jeudi, puis le vendredi, je suis chez moi. Je dis, mais c'est un sacré privilège. Je dis, mais qu'est-ce qui vous vaut cette singularité? Elle me dit, écoutez, vous savez, moi, dans mon activité, dans mon poste, j'ai en charge la relecture des contrats. Pas sur le fond, mais sur la forme. Et mon patron a considéré que ce travail était extrêmement méticuleux, hein, de voir la cohérence des articles, est-ce qu'elle ne pouvait pas le faire de manière rigoureuse? Si elle était effectivement son assistante, vous avez compris, l'assistante d'un cadre supérieur, elle a un travail haché, quoi. Et donc, on avait et là, le cadre, il avait dit, mais pour ce travail-là, pour cette activité-là, je ne veux pas vous voir. Et personne n'a le droit de vous appeler. Il n'y a que moi, avec mon téléphone, sur votre téléphone, qui peut vous appeler si vraiment j'ai une question. Vous compris, quoi. Vous compris. Et c'était, je vous parle de ça, c'était il y a 7 ou 8 ans, hein. Oui, repérer les activités qui justifient, voire même exigent, hein, poussons encore plus loin, exigent du travail à distance. C'est dommage qu'Olivier ne soit pas là, il aurait raconté, on a un collègue qui a beaucoup réfléchi sur l'ingénierie dans les centrales nucléaires. Qu'est-ce que c'est que participer à l'élaboration ou la remise en état d'une centrale nucléaire? Est-ce qu'on fait ça chacun de son côté? Est-ce qu'il y en a des temps de réunion? Comment se fait la coordination? Voilà. Moi, je voudrais renvoyer une question, parce que c'est une question de méthode, et je crois qu'on va la partager avec Jacques. Vous avez vu que notre méthode de recueil, elle est hyper sophistiquée. Hein, je défie même mes collègues académiques me disent, mais c'est pas grave, Capelle. Hein, vous avez compris en occitan, hein, ils ont perdu le chapeau là. Hein. Voilà. Donc, je veux dire, et Jacques l'a précisé en introduction, c'est parce que nous ne comptons pas notre temps et que nous avons, je peux parler, tu me corriges, hein, c'est parce que nous avons effectivement un peu cette ambition de produire un texte dans lequel notre interlocuteur se reconnaît et se sent valorisé, et de produire un texte qui soit agréable à lire, c'est-à-dire que la personne qui va rentrer dans le récit de Madame X ou de Monsieur Y, il a envie d'aller jusqu'au bout, de dire « Ah, mais en définitive, je l'ai presque rencontré, quoi. Je l'ai presque rencontré. » Ce qu'elle me dit, c'est « Ah ouais, je comprends ce qu'elle dit, je comprends les questions qu'elle se pose. » Voilà, donc c'est un grand privilège que nous nous sommes donnés d'avoir, je dirais, cette méthodologie, cette déontologie. Je dois dire que, pour le sociologue que j'essaie d'être, une très très grande satisfaction. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur d'avoir pris un peu de votre temps pour nous écouter et nous questionner. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci François. Merci à tous de votre présence en ligne et en présentiel. Alors quelques mots, c'est bientôt les fêtes, hein, donc faites-vous un cadeau, adhérez à la PSE, vous faites un cadeau également à votre enveloppe fiscale, donc c'est merveilleux puisque l'association est d'intérêt général, donc deux cadeaux en un, c'est quand même un privilège, donc foncez. Mais vous pouvez également vous précipiter sur l'ouvrage de François donc qui est disponible ici, mais également sur LinkedIn, pour ceux qui pratiquent les réseaux, avec un groupe de la PSE qui est vraiment très riche, où il y a beaucoup d'échanges, où Blaise B, que je ne cite toujours pas, poste énormément de choses et un contenu très riche pour vos quotidiens de sociologues ou d'aspirants sociologues. Et puis, une date à retenir,
une seule, c'est pas le 25 décembre, c'est le 21 décembre à 18h30. Il y a ce qu'on appelle chez nous un apéro socio, c'est-à-dire une occasion de se retrouver virtuellement autour de discussions, de moments et de personnes chaleureuses pour parler sociologie et d'autres choses. Voilà. Merci à tous et merci beaucoup à Greg et à François qui ont co-animé. Merci.